c'est oppressant. Là, c'est bon? Non, au contraire. Alors, Yann Adam, vous êtes le directeur du Polypic. La première étape du New Tour à Saint-Lô touche à sa fin avec plus de 400 partants. Quel bilan tirez-vous? Un bilan évidemment très positif puisque c'est la première édition, c'est le premier circuit. Il y a eu Deauville la semaine dernière qui a déjà été une bonne première. Saint-Lô qui monte en puissance. Alors évidemment, tout n'est pas gagné parce que comme toutes les nouveautés, il faut confirmer, il faut rester prudent. Mais malgré tout, on voit 400 engagés, un certain nombre d'écuries présentes. On commence à avoir un peu de partage entre les Deauvillais et les Saint-Lois, quelques Deauvillais qui sont venus ici. Globalement, des chevaux qui sont plutôt bien mis. C'était une des craintes, hein, de voir des chevaux pas prêts. Donc on peut présager une finale fin février ici qui soit vraiment, vraiment intéressante en termes de commerce puisqu'il y aura des chevaux encore plus prêts. Et puis, moi, je me suis baladé sur le parking le premier jour et j'ai vu beaucoup de plaques, quelques plaques étrangères. Et puis, une présence assez importante de marchands, de gens intéressés. Je crois qu'il y a eu quelques essais de fait. C'est vraiment ça l'objectif, puisque c'est quand même la commercialisation qui est la finalité de ce beau projet collectif porté par Cheval Normandie. Donc, je trouve que, bon, il ne faut pas s'enflammer. Il faut rester un petit peu raisonnable, parce qu'il y a certainement, bon, voilà, encore des choses à améliorer. Mais dans le contexte actuel et dans le contexte commercial qu'on connaît, les dernières étapes devraient vraiment être intéressantes, surtout avec l'association avec l'H. C'est vraiment une très bonne idée en plus d'associer cette vente complémentaire. Donc je pense qu'on est sur la bonne voie. En tout cas, le pôle de Saint-Lô accompagne très fortement ce projet-là. Depuis le départ, dans la constitution du dossier, on a été partenaire de Cheval Normandie et avec le pôle de Deauville. Donc je pense qu'en plus, on ne peut que vous remercier de nous aider à mettre nos sites en avant sur l'hiver, dans des périodes où il n'y a pas beaucoup d'activité, dans des périodes où on dit que les cavaliers vont en Belgique ou en Espagne tout le temps. Je pense qu'il y a matière à faire des choses en Normandie aussi, on commence à le montrer, donc c'est perfectible, mais c'est un bon début. En tout cas, on est content de cette première étape à suivre. Bien, merci. J'avais d'autres questions et vous avez répondu à tout. Très bien. Avec plaisir.